Ouais, je l'ai déjà, j'espère que ça va. J'ai pas fait trop de story aujourd'hui parce que j'ai attrapé froid vu les changements de température à Paris. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris. On est passé du mois d'août au mois de décembre comme ça. Enfin, il y a 3 jours, on transpirait des fesses tellement il faisait chaud. Et là, d'un coup, il y a la tempête de. Enfin, bref, moi ça va déjà un petit peu mieux. Mais en fait, du coup, je voulais faire une story parce que tout à l'heure, je suis tombé sur un article sur une jeune fille de 18 ans qui était dans une ville juste à côté de Lyon, enfin Villefontaine, donc une ville à côté de où j'ai grandi. Et je suis choqué en fait, je suis choqué, la jeune fille n'est pas rentrée chez elle à 18h, genre les gens la cherchaient depuis samedi, et la police vient de retrouver son corps dans un étang. Ça m'a retourné le ventre. En fait, je trouve en 2020, les gens sont devenus complètement malades, non? Genre c'est très très grave. La vie humaine n'a plus aucune valeur, tu te retrouves des jeunes filles comme ça de 18 ans qui voulaient juste rentrer chez elle et voir sa famille, genre assassiné, genre tué. Les gens sont vraiment devenus malades, genre tarés, zinzin. Je suis choqué en fait. Outre le fait que j'aimerais présenter mes condoléances à sa famille, à ses amis, à ses proches, dans cette horrible épreuve, parce que j'ai vu en plus que c'était une jeune fille qui suivait des amis à moi, enfin des collègues à moi. Mais au-delà de ça, genre en fait, je suis choqué parce que je sais pas si c'est genre une hausse des psychopathes, ou alors je sais pas, les gens se sentent poussés des ailes parce que c'est vrai qu'en France, en fait, bah, le tribunal fait rien, enfin la loi française ne fait rien. Puis, de toute façon, c'est simple, en France, tu n'es puni que si tu deals de la drogue à grande échelle, que tu vends de l'héroïne, tu vends de la coke ou quoi. Tu vois des gens, genre, qui ont des peines de 6 mois avec sursis alors qu'ils ont violé une meuf. C'est un truc, genre, peut-être que je me dis, les gens deviennent tarés à cause de ça. Ils se disent, en fait, il n'y a plus de justice, donc vas-y, je vais faire ce que je veux, quoi. Donc, ouais, franchement, ça met un petit peu hors de moi. Franchement, les gars, faites attention à vous. Désolé, je suis à moitié nu. Faites attention à vous. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'abonnés, c'est des filles. Mais bon, ça arrive aussi à des garçons, ce genre d'histoire. Je sais que j'ai une petite sœur et tout. Et franchement, je dors plus tranquillement. Je me dis, il y a trop de tarés dans la rue, c'est un truc de ouf. Il était même pas genre 1h du matin ou quoi. Elle sortait même pas de boîte ou quoi. Genre 18h dans la rue. Et tu te fais tuer, on te retrouve dans un étang. Mais starf! Genre, c'est très, 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 très grave. Oh, ça fait tellement du bien de passer une journée sans se moucher toutes les 10 secondes. Ça va un petit peu mieux là, je suis trop content. J'espère que vous ça va. Comment s'est passé votre début de semaine? Dites-moi. J'ai envie de faire un petit. Pas un Q&A, mais un petit. Bah, si, faut que je ferme ma gueule, hein, question-réponse. Si tu parles de cela, c'est des maisons du monde qui sont encore disponibles d'ailleurs. Je crois qu'ils sont dispo sur le site web, mais je les ai achetés en boutique. Gucci like a girl they could call. Got a lot of nice things I need to know. Hella propositions might fall.